m'appelle Jordan, j'ai 28 ans, je viens de Nantes et je suis rentré dans la marine en 2010. Mon métier est gérant de collectivité et je suis second maître. C'est bon, Max ? En 2008, j'ai obtenu mon CAP de cuisine et à l'issue, je me suis engagé dans la marine nationale. Sur SNLE, en tant que cuisinier, mon métier consiste à établir 240 repas par jour. Le repas est important à bord des sous-marins, hein. Ça c'est clair, c'est qu'on a une petite pression du fait que bah, le moral de l'équipage y joue énormément. Là vous avez en cas, ça rentre tout le monde. On fait de la cuisine de bonne famille et il ne faut pas chercher les plus loin. Eux, ce qui leur importe, c'est de se sentir chez eux, de se sentir à la maison. Alors, la cuisine dans les sous-marins, c'est la particularité, c'est qu'on est sous l'eau. On commence à descendre. Et bah les prises d'assiettes, hein, on n'est pas à l'abri d'avoir une avarie, un incendie, une voie d'eau. Et que bah, le maître de centrale puisse réagir à ce moment-là. Tu peux venir, s'il te plaît, tenir mes bacs. C'est notre petit coup d'adrénaline à nous. C'est comme tous les marins, faut savoir travailler avec ce petit aléa. C'est génial. J'adore. Donc dans chaque spécialité, et moi-même, hein, en tant que GECOL, on a tous un rôle sécurité à bord. Ça avait été trop, là. Donc d'un moment à un autre, si je suis en service en cuisine, je peux être contraint à quitter mon poste si un blessé en alarme blessée et aider le médecin et les infirmiers à brancarder la personne. Bien, on envoie pour les tatas, ça marche. Mon projet dans la marine, ce serait de faire de la cuisine haute autorité et voir viser le BS quand je le pourrais. L'amiral est servi.